Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors vous avez décidé de nous parler d'intelligence artificielle, qui est un peu le sujet à la mode en ce moment, dans la relation avec le client. L'intelligence artificielle un peu partout. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle, c'est cette capacité qu'ont les ordinateurs de progresser, d'apprendre des erreurs et de toujours aller de l'avant. Et donc, ça doit permettre aujourd'hui de s'exonérer de tout un tas de choses, notamment de passer par des plateformes et d'accélérer la relation entre le client et le producteur en direct. Alors, quels sont les gagnants, ou en tout cas les entreprises qui se servent de cette intelligence artificielle pour améliorer leurs relations? Déjà par les perdants, parce qu'ils sont plus simples à identifier. Imaginez que demain, vous ayez besoin d'un taxi. Donc, vous allez demander à votre téléphone d'appeler un taxi, parce qu'il va le faire pour vous. Votre téléphone va appeler José, qui est le taxi qui se trouve au coin de la rue, et il aura toutes les informations sur José à travers les avis que les clients auront laissés au fur et à mesure des semaines, des mois précédentes. La personne qui vient du Mexique, qui a pris José, qui a dit que c'était un très bon pilote, ou un avis qui sera resté sur Internet. L'intelligence artificielle va, en un quart de seconde, aller chercher toutes les informations disponibles sur José dans le monde de l'Internet et vous les mettre à disposition. Et donc José n'aura plus besoin de passer lui-même pour travailler par des plateformes comme Uber. L'intelligence artificielle va aller directement au travers de ces plateformes et permettre d'avoir un contact direct entre un producteur de service, en l'occurrence José, le bon taxi, et un client, à savoir vous, qui avez besoin d'aller à l'aéroport. De même que si vous voulez acheter un livre demain, vous ne passerez plus par Amazon, mais vous irez directement chez l'éditeur, parce que l'intelligence artificielle aura repéré, en fonction de vos goûts, en fonction de ce que vous voulez, quel livre il faut acheter et où on peut le trouver. Donc vous êtes en train de me dire que c'est la fin d'Amazon? La fin, peut-être pas, mais il faudra que Amazon et les autres sachent faire évoluer leur business model. Amazon a une force aujourd'hui qui est sa capacité de distribution, sa logistique. Et donc, ça, ce seront des éléments extrêmement forts pour demain. Mais par contre, toute une partie de son métier, oui, va disparaître. Et toutes les plateformes que l'on connaît aujourd'hui, qui sont les sociétés les plus valorisées à l'heure actuelle, devraient connaître des problèmes avec le développement de l'intelligence artificielle. À l'inverse, les gens qui font leur métier et qui sont centrés sur leur métier, donc un hôtelier qui va faire son métier d'hôtelier, qui va mettre l'accent sur l'accueil du client, le séjour du client dans l'hôtel, l'expérience client, puis là, sera gagnant parce que l'intelligence artificielle identifiera directement les gens qui ont des rapports très élevés avec leurs clients. D'accord, donc ça c'est pour les sociétés qui vont appliquer l'intelligence artificielle, mais qui la développe cette intelligence artificielle pour ces sociétés? Est-ce qu'il y a des acteurs connus sur le marché aujourd'hui ou est-ce que c'est plein de Alors, petites c'est sociétés qui comme, innovent? vous savez, c'est comme les fabricants de chemin de fer et le développement du chemin de fer. C'est malheureusement pas les gens qui ont fabriqué les rails et les locomotives qui sont enrichis, mais c'est plutôt ceux qui se sont mis autour. Et dans l'intelligence artificielle, ils sont aujourd'hui très nombreux à développer des produits. Ça va très vite. Donc, il n'est pas sûr aujourd'hui qu'il y ait des gagnants et des perdants. Il est sûr que c'est plutôt les gens qui vont utiliser ces outils à bon escient pour améliorer leur relation avec les clients qui seront les gagnants de demain. Et ça, les sociétés dans lesquelles vous investissez, elles en parlent dans Oui, leur alors ça date stratégie? pas d'aujourd'hui. Il se trouve que ça sort dans le public, dans le grand public aujourd'hui, qu'on parle beaucoup de machine learning, d'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça fait un moment que ça a été mis en place et ça fait un moment qu'il y a des gens qui se sont égarés parce qu'ils ont pensé que ça pouvait les exonérer des rapports entre humains, de l'engagement de leurs clients vis-à-vis de leurs clients. Ceux-là se sont un petit peu perdus. Et il y en a d'autres qui, au contraire, se servent de cette intelligence artificielle pour améliorer le contact avec les clients, pour faire en sorte que les salariés, les opérationnels, puissent avoir des rapports encore meilleurs avec les clients. Quelques exemples, peut-être, de sociétés? Je crois que le mieux pour trouver des exemples, c'est de regarder nos fonds, TrustTeamRock et TrustTeamRock Europe, parce que ce sont des sociétés qui rassemblent l'ensemble des leaders en termes de satisfaction client. Et vous savez, dans notre façon d'investir, on a des entretiens avec les sociétés qui durent assez longtemps, où justement, on leur pose toutes ces questions, donc les questions de l'engagement du personnel, les questions de l'utilisation de ces technologies au service du client ou à leur service. Bref, l'ensemble des sociétés qui composent nos fonds sont
sont des sociétés qui ont mis le client au cœur de leurs préoccupations. Et il nous semble que ces révolutions technologiques, intelligence artificielle, machine learning et autres, sont vraiment des choses qui peuvent mettre en avant les sociétés qui sont orientées clients. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.